Les amis, bonjour et merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vidéo qui est la première de ma chaîne YouTube. C'est un grand pas pour moi. J'ai longtemps pensé à faire du contenu sur YouTube, à filmer un petit peu ce que je fais, à le publier. Et puis, voilà, petit pas pour vous qui avez cliqué et grand pas pour moi qui publie. Pour vous parler un petit peu de ma chaîne, ça va graviter autour du monde de la moto, du moins mon monde de la moto. Au niveau des sujets, on aura de la bricole, on aura de la balade, du vlog, du voyage et certainement plein d'autres choses qui viendront avec le temps et les prochaines vidéos. Concernant cette première vidéo d'ailleurs, j'ai acheté une moto qu'on va entièrement restaurer, donc ce sera la première playlist de ma chaîne. Plusieurs épisodes qui vont concerner cette moto là qui est juste là derrière et que je vais vous présenter tout de suite les amis. Donc on se retrouve ici sur une petite RS 125 de 1999. C'est la première fois que je roule réellement avec. Et je suis vachement content d'avoir un petit peu de soleil en cette période hivernale. La moto est froide, elle broute encore. Mais ah, quel plaisir, putain, de monter sur une deux temps. Ça fait tellement longtemps, mon dieu. Oh, quel kiff, putain, j'arrive même pas à me concentrer. Bon, alors, premier ressenti. Bah, c'est du deux temps, quoi. Hein. Il n'y a pas grand chose en bas. Il y a toute la patate en haut. Il me semble qu'il y a pas mal de patates en haut. Là, pour l'instant, je la laisse bien chauffer parce qu'il y a encore quelques secondes, il y avait cold affiché sur le compteur. Du coup, là, j'ai le compte vitesse qui marche pas avec le compte tour qui marche. Un problème qu'il faudra que je résolve parmi tant d'autres. Je suis étonné, la mécanique fonctionne super bien. C'est une moto, elle est presque aussi vieille que moi. Mon corps, il est plus rincé que la mécanique de cette moto. Donc ouais, comme je disais, on n'a pas grand-chose en bas. Hein. On retrouve vraiment... le deux temps tel qu'on le connaît. On a une partie ici qui est très précise. Hein, à peine on touche, vraiment il suffit d'effleurer les bracelets et ça tombe direct. Ça va là où on veut. On va pas encore vraiment tirer, on va aller mollo. Oh, j'adore. Eh mais c'est que ça avance bien, putain. Oh, je suis choqué. Ouais, si vous saviez les gars, comme j'ai la banane derrière mon casque. Oh là là là. Comme c'est précis, putain, ça se conduit à une main, tranquille. C'est tellement léger, en fait, au début, on a un peu l'impression... Enfin, voilà, ça fait des années que je conduis des gros cylindrés, des motos de 200 kg. Et puis, je me suis un peu... fait avoir par le poids au début, parce que les premières fois qu'on tourne avec des gros sportifs ou des gros roadsters, on a quand même un gros coup, et celle-là non, parce que on dégage direct. Alors du coup faut être très doux, très léger, tout va tout seul, tout accompagne. On reste bien sûr sur une position radicale de sportive, hein. Je sais pas si on arrive à voir, mais j'ai vraiment les jambes bien pliées au-dessus de la cartouche, les bracelets assez bas, le cul qui est plus ou moins à la hauteur de mes mains. Donc c'est vraiment du sportif, c'est pas du sport touring ou comme, enfin voilà, comme certains modèles 125 typés sportifs qu'on voit maintenant. Là c'était vraiment une sportive, d'ailleurs dérivée de la RSW je crois, quelque chose comme ça. J'ai peut-être enlevé la réserve pour mettre l'essence normale. Je sais pas trop ce qui me reste. Voilà. Donc, ouais, dérivé de la RSW 125 réplica du GP qui a gagné je ne sais pas combien de titres.
dont des titres avec des ou un titre avec Valentino Rossi, notre cher VR46 à son guidon. Par rapport à cette histoire, bah moi pourquoi j'ai acheté ça alors que j'en suis à ma, je sais pas, 4-5e grosse cylindrée. Bah il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un fan du deux temps. Oh là 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 là! My God! Hey, ça... Waouh! Incroyable! Je disais quoi? Ouais. La première raison, c'était du coup. Bah, quand j'étais petit, enfant, c'était ma moto de mes rêves. Je l'avais en poster. Putain, ce que je la kiffais. On arrivait gentiment à la fin des RS de temps, on passait aux 4 temps. Et puis il y avait toute cette polémique du coup autour de la 125, le 4 temps maintenant c'est mieux, on laisse tomber le 2 temps, patati patata, plus efficace, plus facile à prendre en main, mon entretien, blablabla. Et puis merde, j'ai plus d'essence je crois. Fuck. Que se passe-t-il? J'ai plus de benzin, j'ai plus de benzin. Faut vraiment que j'aille mettre le plein. Bon, on va essayer de pas trop tirer. Ah voilà, bah première sortie, première panne sèche. Heureusement on a la petite réserve, j'ai décidé de l'enlever avant juste pour que ça m'avertisse au cas où. Bah j'ai bien fait, comme ça je sais qu'il faut absolument que je mette de l'essence maintenant. Allez faire le plein. Et puis du coup, voilà. C'est comme ça qu'on suis arrivé à acheter ça. Il y avait les magazines à l'époque, les magazines de moto, bah, c'était celle-là qui m'a touché dans ma sensibilité, qui m'a donné envie de faire de la moto. Et puis voilà, après avec le temps finalement, bah, d'autres choses se sont créées, j'ai acheté d'autres motos et jamais j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir celle-ci, où j'ai jamais pensé plus tard, hein, lorsque j'avais le permis. Et à mes 16 ans, j'ai aussi eu quelques deux temps, j'en ai eu deux. Une Aprilia MX50. Donc la deux temps, enfin c'est tous des moteurs Minarelli AM6, hein, toutes ces bécanes. Elle était jolie, elle était orange, j'avais mis du faux carbone, on trouvait ça stylé à l'époque, enfin bref. Je vous mettrai une photo si je retrouve. Et puis j'ai aussi eu une Beta RR50 après que celle-ci ait serré. Donc la première, je lui ai fait une préparation. Donc elle était en kit, elle était en top alu, enfin voilà, pas mal de matos. Après voilà, elle a serré genre vénère, enfin c'est vraiment parti dans le bas moteur et tout qui était pété, enfin voilà. Du coup, ça a été vendu pour ensuite être remplacé par une Beta RR50 que j'ai gardé stock pour plus avoir de problèmes parce que bah, c'était mon moyen de transport de tous les jours. Et puis voilà, donc après le temps est passé, j'ai eu mes gros cubes. Et puis la nostalgie me revenait de l'époque du deux temps, de la bricole des 50. J'ai aussi eu un vélomoteur, un Maxi Puch, que j'ai pas mal bricolé, que j'ai beaucoup maquillé aussi. Alors là, ouais, j'ai vu cette occasion, je vois que bah, ça devient de plus en plus recherché ces deux temps. Et puis voilà, bah, on retombe là-dessus et j'ai vu une annonce, un prix qui me plaisait, elle était plus ou moins en bon état, elle roulait. En tout cas, je suis vraiment étonné de la capacité, de la précision de cette petite RS, quoi. Incroyable. En tout cas, ça fait bizarre un peu de rentendre tous ces bruits. On entend un peu le piston qui se balade. On entend vraiment tout, c'est dingue.
incroyable. On va tester un peu le freinage, mais léger, il fait froid. Wow, cette moto elle est dingue. Pour son âge et sa cylindrée. Wow. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Je sais pas quoi dire, je savoure mon instant et je vous laisse kiffer. Je sais pas si on entend vraiment bien le bruit de la moto. Mais si c'est le cas, je vous laisse savourer un petit peu le pure sound. Des petits débris. Et ce qui est cool avec ces RS125, c'est qu'on a l'impression d'envoyer sec, gaz à fond, mais on dépasse pas trop les limitations. Et ça, c'est sympa. Parce que quand on fait la même chose avec un R1, c'est pas la même histoire. Oh, mais quel kiff, quoi. Les amis, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je profite d'une courte pause en voiture pour vous faire une petite outro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Ça me donnera la force pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, restez à l'affût, la prochaine vidéo va suivre et ne va pas tarder. Sur la prochaine vidéo, on va mettre la moto à poil, constater un petit peu comment elle est dessous, ce qu'il y a à faire. Je vous parlerai plus en détail de ce que j'ai vraiment envie de faire avec cette moto, les modifications, etc. Et puis, si on a le temps, on vous fera aussi un petit unboxing parce que j'ai reçu quelques pièces sympathiques que j'aimerais vous présenter. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et je vous dis ciao.